vous souhaitez y planter une haie, la préparation de sol constitue une étape importante, la première de toutes, mais fondamentale pour que votre haie ait un bon développement dans quelques années. On prépare un sol pour favoriser la croissance de l'arbre. Lorsqu'il fera très chaud en été, il trouvera plus facilement l'eau grâce à ses racines en profondeur. Lorsqu'il y a du vent, il sera bien ancré, beaucoup plus résistant aux aléas climatiques. On prépare le sol avec des outils qui permettent de décompacter le sol en profondeur dans un premier temps. Il faut que les racines puissent aller en profondeur, donc on va faciliter la migration des racines dans le sol. Alors un sous-solage, un décompacteur sur au moins 40 à 60 cm de profondeur. On réalise une préparation de surface qui, elle, va faciliter les conditions de plantation et aussi faciliter le développement des racines de surface. On peut utiliser des outils qui font les deux en même temps. Il n'est pas utile, voire dangereux, de faire une préparation de sol trop fine qui ferait qu'on enfermerait de l'air ou on fabriquait de la boue gorgée d'eau. En milieu humide, on cherche à avoir un sol qui ne soit pas gorgé d'eau. On peut être amené dans certaines conditions à faire des talus, des buttes, qui permettront une plantation où les racines de l'arbre resteront dans des conditions saines pour éviter de la mortalité et éviter des problèmes de reprise des arbres. Vous êtes prêt maintenant pour l'étape suivante, le choix de la technique de paillage et sa pose éventuelle.